Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, ça va être vidéo tricot. Voilà, Fifi qui arrive, j'espère qu'elle va pas venir mettre ses petites papattes. Oui, vidéo tricot, je vais vous montrer aujourd'hui l'encours de mon tricot du moment. en plus de ma broderie, de mon DP. Voilà, j'ai remis un tricot en route. Je vais y arriver. Hein. Je suis en train de me faire une veste pour moi. C'est un modèle fil d'art. Alors, j'ai pas sorti la photo, mais je vais la sortir. Oups. Alors, c'est un modèle qui plaît bien, qui est pas mal fait dans les groupes de tricot. Enfin, surtout le groupe fil d'art. Voilà. C'est un bicolore avec deux points. Enfin, deux points. Deux sortes de points. Donc, il y a du point de riz et du jersey. Voilà. Alors, c'est ce modèle-là. Donc, vous avez du point de riz ici en bas des manches. Dans le bas de la veste, et puis là, voilà, et dans le dos, bien sûr. Donc, c'est fait, alors la laine, c'est du fil looping. Alors là, c'est la couleur colza, et là, c'est la couleur flanelle. Voilà, je vous remettrai de façon en barre d'infos le lien des laines que j'utilise pour le faire. Et je vous mettrai le lien du modèle également. Voilà. Donc les boutons, j'ai pas acheté les boutons du modèle, j'en ai en haut. J'avais pas besoin d'en acheter. Je dis bon, j'ai ce qu'il me faut déjà ici. Donc j'ai pas besoin de racheter d'autres boutons. Voilà. Alors, j'ai déjà terminé le dos. Voilà. Le dos est fini avec les emmanchures, bien sûr. Et donc le point de riz en bas, je vous montre. Voilà. Excusez-moi. Et donc j'ai commencé. Alors je le replie pour le mettre là-haut. Pas que Fifi mette ses papattes. Et là, j'ai commencé hier soir et ce soir, un demi-devant. Voilà. Donc, toujours mon point de riz de 11 cm. Pour le dos, le devant, c'est 11 cm. Et les manches, par contre, ça va être un peu plus grand. Ce sera 18 cm. Pour le point de riz, voilà. Et maintenant, je continue en jersey avec la laine colza jusqu'en haut. Voilà. Donc, ça va être une laine assez douce, voilà. Elle gratte pas, il n'y a pas de problème. Bon, au lavage, on verra ce que ça donne, hein, mais bon, c'est pas encore d'actualité. Hein. J'ai le temps, mais je ferai le lavage à la main, de toute façon. De toute façon, ils disent lavage cycle laine ou délicat 30 degrés, essorage délicat, donc bon, on verra un moment venu. Voilà. Donc là, je vais avancer un petit peu avec vous. Je vais faire quelques lignes et juste pour vous montrer ce que je fais. Et là, je vais vous faire quand même déjà mon bisou. Voilà. Si vous avez des questions sur ce modèle, ben, n'hésitez pas. J'ai peut-être oublié de vous dire. Oui, il se tricote en aiguille numéro 6 uniquement. Et je vais avoir besoin à un moment. Donc, c'est à la fin, je crois. Oui, je crois que c'est à la fin. Je vais avoir besoin d'un crochet numéro 5. Voilà.
C'est tout ce que je vais avoir besoin. Et moi, je le fais en taille 50-52. Ben oui. Pas le choix. Donc, il me faut en colza 6 pelotes et en flanelle, donc le gris, 3 pelotes. Voilà, donc c'est un gilet qui se fait en tout en 9 pelotes. Donc, ça va. Et il va me falloir une pression. Ah oui, ça, j'ai pas prévu la pression. Mince, j'ai oublié. Bon, ça y est, j'en achèterai une, c'est pas. Il faudra une pression et donc deux boutons pour fermer le en haut. Et la pression, je sais que c'est pour mettre ici à l'intérieur, de l'autre côté. Voilà. Mais ça, bon, c'est rien, c'est pas grave. Là, à moins que j'en ai peut-être dans mon fourre-tout en haut. J'ai une petite boîte un peu fourre-tout de couture, de choses que j'avais récupérées d'une mamie. Donc j'ai peut-être des pressions dedans, je regarderai. Sinon j'en achèterai une, c'est pas. Enfin, c'est des petites plaquettes, je crois, les pressions. Donc j'achèterai une petite plaquette, ça peut toujours servir de toute façon. Et puis voilà. Donc je vais faire quelques lignes avec vous. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous laisse regarder la suite un petit peu avec moi. À bientôt. Bisous, bisous.